Donc c'est du fin fond de mon bureau de poste à Paris que je voudrais apporter ma salutation révolutionnaire aux camarades de Red Network. Vous dire qu'évidemment, on suit en temps et en heure tout ce qui se passe actuellement en Grèce, l'épreuve de force à laquelle vous livrez depuis plusieurs mois maintenant avec beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Vous dire évidemment un grand message de solidarité pour vos travaux, pour vos combats à venir, les combats d'unité populaire, en espérant que vous réussirez à fédérer toutes les forces anticapitalistes et toutes les forces sociales qui veulent résister une nouvelle fois à l'austérité en Grèce. Vous dire qu'on essaie d'organiser une nouvelle fois ici de façon unitaire en France la solidarité pour vous permettre d'aboutir. Comme vous, on a compris que tout ce qui se passe en Grèce, c'est pas d'abord une question économique, c'est d'abord une question politique. Qu'en réalité, l'application du programme initial de Syriza et même le non-remboursement de la dette en Grèce, ça ne représente pas grand-chose pour le capital et les capitalistes européens. C'est simplement que la Troïka, la Banque Centrale Européenne, la Commission, le gouvernement allemand, mais aussi le gouvernement français qu'on n'oublie pas, nous ici en France, veulent absolument démontrer que toute alternative à l'austérité est incompatible avec l'Union européenne actuelle. Donc on verra et vous nous direz comment on peut être le plus utile pour votre combat. Et on souhaite aussi évidemment que vous puissiez nous aider à pouvoir fédérer les forces anticapitalistes à l'échelle peut-être européenne. Donc vos succès seront nos succès, vos échecs seront nos échecs. Et vous êtes nos frères, nos camarades, nos cousins. Et dans les semaines et dans les mois à venir, on espère pouvoir se retrouver très rapidement pour finalement sortir de cette Europe-là et pouvoir en construire une autre, c'est-à-dire maintenir le cap d'une orientation anticapitaliste et internationaliste, parce que l'heure ne peut pas être au repli sur soi. Donc, comme dirait Che Guevara, hasta la victoria siempre et bon courage pour votre combat.